Un seul sujet au sommaire de cette édition du journal télévisé des droits humains, l'eurodécique émet un doute sur le cycle électoral 2023-2027 selon la feuille de route publiée par la CENI. Pour cette structure de la société civile, ce doute se justifie suite aux contraintes soulevées par la centrale électorale et le manque de volonté politique observée dans le chef des politiques pour faire avancer le processus électoral. Mesdames et messieurs, bienvenue à toutes et à tous. Vous êtes amoureux du droit? Vous aimez la justice équitable? Bien. Suivez la grande édition du JT des droits humains sur nos chaînes partenaires et sur YouTube. Tapez JT des droits humains. Ce n'est pas tout. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer l'icône de notification pour ne rater aucune de nos publications. Bienvenue à cette session d'information du 7 février 2022, clôturière dimanche de la 35e session ordinaire de l'Union africaine. Une cérémonie marquée par le passage de témoins à la tête de cette organisation. Le président Félix Tshisekedi, président sortant de l'Union africaine, a passé le bâton de commandement au président sénégalais Macky Sall. Cette session a consacré les mérites de la mandature de la République démocratique du Congo à la tête de l'Union africaine. Au son de cloche, la tension de l'Assemblée est accordée au président de la conférence. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a ouvert ce samedi les travaux de la 35e session ordinaire de l'Union africaine qui va sans surprise consacrer les mérites de la mandature de la RDC à la tête de l'Union. Excellence Monsieur le Président Antoine Félix Tshisekedi, au moment où vous allez passer le témoin, permettez-moi de vous exprimer mes vifs remerciements. Je salue l'excellente expérience de travail convivial, fructueux et intense que nous avions eue avec vous et sous votre leadership. Sur cette note satisfaisante, au vu de la situation difficile et des efforts consentis pendant un an, le président Félix-Antoine Tshisekedi va transmettre les attributs du pouvoir au président Macky Sall du Sénégal, qui va diriger l'organisation jusqu'en 2023. La présidence de l'Union africaine était bien plus qu'une simple mandature pour la RDC qui en a fait tout un projet avec un objectif, celui de promouvoir l'identité culturelle africaine. Dans son discours bilan, le président sortant de l'Union africaine a, après avoir peint les acquis de sa mandature, proposé à l'organisation de décréter une décennie consacrée à la culture africaine, question de marquer un peu plus l'identité culturelle africaine. Cette année, grande année culturelle, a été aussi marqué par des initiatives fortes telles que la traduction de l'hymne de l'Union africaine en Lingala, la production d'une chanson panafricaine ou encore la création du Festival panafricain de Kinshasa et l'organisation d'un colloque sur la reconstitution des biens culturels. Je voudrais en particulier souligner l'innovation de la célébration de la journée culturelle africaine et afro-descendante et de la création du Grand Prix panafricain de littérature. Il a également été créé dans mon pays une maison de la culture africaine et afro-descendante. La charte de la renaissance culturelle africaine adoptée en 2006 à Khartoum, a obtenu l'ensemble des ratifications attendues des États membres. Son entrée en vigueur depuis le 25 mai 2021 permet l'affirmation de l'identité culturelle commune des peuples d'Afrique. 2021, dite année de première à l'Union africaine, a également vu une Camerounaise recevoir le premier Grand Prix panafricain de la littérature institué par la RDC. Grâce à son superbe roman Les Aquatiques, Oswald Le Watt entre dans l'histoire du continent. Parfois on entend dire « mais pourquoi l'Afrique n'a pas de prix ?» Mais maintenant c'est le cas, je suis extrêmement honorée d'être la première lauréate, je ne m'y attendais pas, notamment parce que c'était un jury exigeant, pointu, des auteurs et autrices que j'estime énormément, qui ont jugé ce prix-là et qui l'ont distingué. Après l'accent mis sur la culture par la RDC en 2021, le Sénégal lui souhaite bâtir une résilience en matière de sécurité nutritionnelle et alimentaire sur les continents africains. Cette session ordinaire à l'ordre du jour chargée
prendra fin ce dimanche. D'une institution à une autre, le premier vice-président du Sénat a accordé ce lundi une audience au secrétaire général du Forum des parlementaires des pays membres de la Conférence internationale sur la région des Grands Lacs. Deux questions importantes, notamment l'invitation adressée à la RDC par ce forum était au menu des échanges entre Eddy Mundela Kanku et l'ambassadeur Onyango Kakoba. Les détails dans ce reportage signé Joël Dia. Le premier vice-président du Sénat a reçu en audience dans son cabinet de travail l'ambassadeur Onyango Kakoba, secrétaire général du Forum des parlementaires des pays membres de la Conférence internationale sur la région des Grands Lacs. Deux points majeurs ont figuré au cœur de leurs échanges. D'abord, les discussions ont tourné autour de l'invitation adressée au Parlement congolais qui devra répondre à la deuxième assemblée plénière du Forum prévue du 2 au 6 avril prochain à Nairobi. Pour avoir participé à la première réunion l'an dernier, Eddy Mundela Kanku a été appelé à répondre personnellement à cette autre invitation à laquelle l'accord des principes a été obtenu de sa part. Les deux personnalités ont abordé également les questions relatives à la menace permanente qui pèse sur les pays membres de la région, en particulier les menaces djihadistes à l'est de la République démocratique du Congo qui connaissent une montée inquiétante. On a porté principalement sur deux points. Premièrement, il s'agissait d'une consultation auprès de l'honorable premier vice-président du Sénat. Nous l'avons consulté sur un certain nombre de questions. Nous l'avons invité d'abord dans un premier temps à prendre part à la 12e assemblée plénière du forum qui aura lieu du 2 au 6 à Nairobi. Et à part cela, nous avons deuxièmement parlé de la situation dans la région des Grands Lacs. La situation sécuritaire principalement. Nous avons parlé de la réunion qui aura lieu, qui va connaître la participation des présidents des parlements membres, qui vont justement débattre des questions et entrer à la sécurité de la région des Grands Lacs, de la montée des islamistes, notamment dans l'est de la RDC, et le rôle que le Parlement peut jouer pour mettre fin, pour porter leur contribution par rapport à cette question. À cette prochaine conférence, les parlements devront réfléchir sur leur rôle dans la prévention des conflits et surtout leur implication pour stabiliser la situation sécuritaire dans la région des Grands Lacs. Eddy Mundela Kanku a pour sa part fait savoir au secrétaire général de l'impérieuse nécessité pour le forum de faire le suivi de la mise en œuvre des recommandations adoptées par les pays membres à travers leurs pouvoirs exécutifs respectifs. Une recommandation qui a attiré l'attention du secrétaire général. Ce dernier a promis que cette question sera insérée à l'ordre du jour et consistera à évaluer la mise en œuvre des différentes recommandations prises jusqu'ici par les États membres. À ce dernier de marteler que le rôle du forum est d'adopter les résolutions, c'est à l'exécutif de chaque pays membre de mettre en œuvre ses recommandations. Et dans un autre chapitre, feuille de route de la CENI pour le cycle électoral 2023-2027, le réseau d'organisations de droits humains et éducation civique d'inspiration chrétienne exprime sa crainte sur le respect du délai de la tenue des élections en 2023. Pour l'Eurodécic, ce doute se justifie suite aux contraintes soulevées par la centrale électorale et le manque de volonté politique observé dans le chef des politiques pour faire avancer le processus électoral. C'est la réaction de Paul Kabeya, secrétaire exécutif du Eurodécic. Il l'a dit lors d'une interview accordée à Aristote Mundia et Nyosh Mafuta. C'est depuis le vendredi dernier que la CENI a rendu publique la feuille de route pour le cycle électoral 2023-2027. Ces documents visent entre autres à rappeler le rôle de chaque partie prenante pour la tenue des élections en 2023, fixe Paul Kabeya, secrétaire exécutif du réseau d'organisation des droits humains et d'éducation civique d'inspiration chrétienne. Bon, naturellement, ces documents, c'est comme une boussole. Une projection qui donne les grandes phases pour l'organisation des élections d'ici 2023. Cette projection aide les différentes parties prenantes à prendre conscience de leurs devoirs pour que en 2023, on
qu'on puisse organiser les élections. Paul Kabeya revient sur les contraintes soulevées par la centrale électorale qui envisage des palliatifs afin d'espérer à la tenue des élections dans les délais. Elle nous donne un bon nombre de contraintes liées aux lois à produire, les contraintes liées au financement, les contraintes liées aux options à prendre. Par exemple, est-ce que ces élections doivent prendre en compte les Congolais qui sont au niveau de la diaspora? Il y a la cartographie des sites. Lumumbaville, par exemple, n'était pas une ville. Au-delà de ces contraintes, les rhodésiques évoquent également le manque de la volonté politique observée dans les chefs de politique et cela peut impacter sur les délais prévus pour l'organisation de ces élections. Vu le temps qui reste, il faut dire que le temps est vraiment très serré. Très serré. Malheureusement, nous ne sentons pas la volonté politique. Et ce déficit de volonté politique peut nous amener au glissement, c'est-à-dire à aller au-delà des échéances prévues. Dans cette feuille de route, la CENI prévoit l'élection présidentielle en décembre 2023. Vous le savez certainement, François Béya, conseiller du chef de l'État en matière de sécurité, est en train de passer sa troisième nuit en détention dans les locaux de l'Agence nationale des renseignements. Selon certaines sources, il serait reproché à François Béya l'atteinte à la sûreté intérieure de l'État en voulant renverser par un coup d'État le pouvoir constitutionnellement établi. Alors, c'est quoi cette infraction d'atteinte à la sûreté intérieure de l'État et un conseiller spécial du chef de l'État en matière de sécurité peut-il être auditionné par les services des renseignements? Les réponses avec Maître Victor Ebenia Molongi, coordonnateur de l'ONG Droit Plus, dans votre rubrique Le saviez-vous. Le code pénal congolais, livre D, ne parle pas des coups d'État. La loi parle des atteintes à la sécurité intérieure de l'État. Il y a plusieurs infractions là-dessus. C'est-à-dire, ce sont les infractions qui portent atteinte à la sûreté intérieure de l'État. Et le législateur lui-même, en ce qui concerne ces infractions, il y a par exemple l'attentat contre la vie ou contre la personne du chef de l'État. Donc, ça fait partie des atteintes à la sûreté intérieure de l'État. Le législateur lui-même est un peu plus sévère en ce qui concerne ces infractions. C'est comme ça qu'il le punit à la peine de mort. Bon, c'est ce que nous avons suivi, ce que nous déplorons aussi, puisque jusque-là, il n'y a pas eu une communication officielle. Ces jours-là, je l'ai suivi par la voix des ondes, le média, notamment sur Internet. On a dit qu'il y a eu les conseillers spéciaux en matière de chef de l'État, ce qui a été interpellé. En matière sécuritaire, qui a été interpellé par l'Agence nationale des renseignements. Il a été interpellé, c'est ce que nous avons tous suivi. Mais jusque-là, il n'y a pas eu une communication officielle. Tantôt, on dit, bon, c'est tout à fait normal parce qu'il a été aussi interpellé par un service secret. Et nous savons qu'en droit congolais, l'enquête préliminaire est toujours secrète et même l'instruction au niveau du parquet, c'est toujours secret. Mais on peut quand même nous donner des éléments, dire que non, bon, voilà, on lui poursuit pour tel fait, mais tout ce qui sera dit, là-bas, il peut le garder, puisque ça fait partie du secret de l'enquête. Mais, dis-moi, on peut le dire, on dit que non, il a été interpellé pour tel fait, on le poursuit pour tel fait. Donc voilà, c'est ce qui s'est fait. Je l'ai suivi, il y a les gens qui disent que le conseiller spécial du chef de l'État en matière de sécurité ne peut pas être interpellé par
l'Agence nationale des renseignements. La réponse, c'est non. C'est non pourquoi? Oui, certes, cette agence est mise sous l'autorité du président de la République. Et le conseiller du président de la République n'est pas président de la République. Là, il faut savoir faire la part des choses. Lui, il est conseiller du président de la République. Oui, si c'était au moins le président de la République, on pourrait dire du fait que c'est une agence qui est placée sous son autorité, cette agence ne peut pas l'auditionner. Mais dans le cas d'espèce, lui n'est pas président de la République. Il est certes conseiller, mais sa personne n'est pas à confondre à celle du président de la République. Même si des fois, il agit au nom et pour le compte du président de la République. Célébration de la journée mondiale de lutte contre le cancer. En RDC, on en a parlé, le cancer ne sera plus une fatalité. Au pays de Félix Tshisekedi, le gouvernement de la République démocratique du Congo fait de la lutte contre le cancer l'une de ses priorités. C'est ce qui a été révélé le vendredi dernier lors de la célébration de la journée mondiale de lutte contre le cancer célébrée sous le thème « La RDC se libère du cancer ». Ce n'est pas dans la méditation en tout cas que la journée mondiale de lutte contre le cancer s'est déroulée en RDC. Tous les professionnels du domaine s'étaient retrouvés à l'Institut National Pilote des Sciences de la Santé pour réaffirmer leur engagement à lutter contre cette maladie mortelle. Le directeur national du Centre de lutte contre le cancer a rappelé les missions de la structure qu'il dirige. Le CNLC, qui est le bras technique du ministère de la Santé publique, hygiène et prévention, créé il y a 15 mois, jour pour jour, a reçu comme mission de planifier, d'organiser et de réguler la lutte contre les cancers sur l'ensemble du territoire national afin de répondre aux attentes de la population congolaise en s'alignant à la vision du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, à travers la couverture santé universelle. Roche, l'un des partenaires de la RDC dans la lutte contre le cancer, a aussi martelé sur ses objectifs, notamment permettre à tous les Congolais l'accès aux soins de santé contre le cancer. Donner accès à la santé, aux soins de santé à tous les Congolais, sans exception. Grâce à ce projet, le cancer ne sera plus une fatalité, comme l'a bien décrit professeur Soulo. Le gouvernement congolais fait de la lutte contre le cancer l'une de ses priorités. Depuis 2021, le gouvernement de la République s'est investi à rendre disponibles des médicaments anticancéreux, équiper les CNLC en laboratoire d'anatomopathologie et de biologie médicale moderne pour une prise en charge gratuite des patients atteints de cancer. En RDC, l'année passée, 48 339 cas de cancer ont été dépistés. 34 812 Congolais sont décédés suite à cette maladie. Poursuivons cette édition par cette autre information. Mesdames et messieurs, la population de la commune de Kasavubu et des communes voisines peuvent désormais se faire soigner à vil prix. C'est grâce au centre médical La Charité, une œuvre signée l'ONG La Charité dans le Seigneur Jésus-Christ. L'inauguration de cet établissement médical a eu lieu le samedi 5 février dernier. Joël Diawa et Bigen Mayukuta ont assisté à cette cérémonie d'inauguration. La commune de Kasavubu peut désormais se targuer d'avoir un centre médical moderne avec l'équipement médical de la dernière génération dénommé Centre médical La Charité. La cérémonie inaugurale a eu lieu ce samedi 5 février. Ce bijou est l'œuvre de l'ONG La Charité dans le Seigneur Jésus-Christ du couple Pierrot et Marceline Bakengemvita qui s'investit dans l'encadrement des orphelins, des jeunes désœuvreux et des veuves en vue de faire d'eux des hommes utiles dans la société. L'idée est partie de cette volonté d'assister la population vulnérable. Et pour ce faire, nous avons mis en place une association sans but lucratif dénommée La Charité dans le Seigneur Jésus-Christ. Et pour matérialiser notre vision, nous avons monté deux structures, un orphelinat et un centre médical. L'orphelinat, c'est évidemment pour prendre en charge les enfants qui sont abandonnés, les enfants vulnérables.
en présence de plusieurs personnalités, dont la présidente du tribunal des grandes instances de Kalamu, la bourgmestre de la commune de Kassavubu représentée et le médecin-chef de zone de Kassavubu lui aussi représenté, Piero Bakengemvita a procédé à la coupure du ruban symbolique avant de procéder à la visite des différents départements. Ce centre médical qui est inauguré en ce jour est en réalité l'extension de celui qui existait déjà dans la commune de Mongafula. Par vocation, elle s'intéresse à l'art de guérir. Et c'est elle qui a pris l'initiative de mettre sur pied un centre médical. Et comme c'est dans les objectifs de notre association, nous avons décidé de marcher ensemble. Le centre a pris naissance à Mongafula et aujourd'hui, c'est une extension ici à Kassavubu pour servir non seulement la population de Kassavubu, mais aussi toute la population des communes environnantes. Le centre médical La Charité qui est inauguré en ce jour est une valeur ajoutée dans le développement social de la commune de Kassavubu. Le social, mais aussi une véritable œuvre philanthropique qui ne vise pas le lucre. Nous ne sommes pas dans la recherche de profits, de gains. Nous sommes dans la philanthropie. Ce qui importe pour nous, c'est que la population soit soignée au moindre coût. Le centre médical La Charité a pour mission de soulager les patients dans un confort excellent en administrant les soins de qualité à un coût accessible à toutes les couches de la population, de la commune de Kassavubu en particulier et de la ville-province de Kinshasa en général. En ce qui concerne le centre médical La Charité, retenez aussi qu'il a la capacité de 20 lits. Il dispose de 4 médecins généralistes permanents, 6 infirmiers, un biologiste médical, un kinésithérapeute et une administration. La médecine interne, la pédiatrie, la gynécologie, la maternité, l'échographie, la clinique diabétique et l'ECG sont des services qui y sont organisés. Outre ces services, le centre médical La Charité est aussi doté d'une banque du sang et d'un laboratoire moderne d'analyse biologique, hématologique et immunosérologique. La cérémonie inaugurale a été agrémentée par le frère José Nzita. Prenons ce communiqué, mesdames et messieurs, l'établissement public Transport au Congo, Transco en sigle, porte à la connaissance des Kinoises et Kinois qu'une fausse information véhiculée dans les réseaux sociaux par des personnes mal intentionnées selon lequel l'un de ces bus aurait fini sa course sur la rivière Ndjili avec à sa bord une cinquantaine de passagers. L'établissement public Transport au Congo dément formellement cette information et se réserve le droit de saisir les instances judiciaires compétentes contre toutes ces personnes inciviques. Vous êtes dans le besoin, vous voulez vendre votre maison ou la mettre en location. Mesdames et messieurs, l'agence Kinoani Business vous offre ses services. PDG Kinoani Balabala Business. PDG Kinoani Balabala Business. Yala! Ndeko ya Congo! Agence immobilière oyo ya kosili sa masolo ya escroquerie ya ba courtier pe ba commissionnaire ya CNZT yangoyo balobi agence immobilière Kinoani Business oyo ya yemoko le PDG Kinoani Balabala Kelly Bonheur l'homme le plus sérieux ya masolo ya immobilier ya RDC mutu ya mayele na ndenge ya defoté yeba ke awa ba client ba kendaka kotala bandaku na makolo soki mukete noko tala ba jeep oyo zali komona yango nde kendaka kotika ba client kotala bandaku afin ke ba client baza la satisfait noko awa ba chien eza soki mukete ba jeep ya kanda ya sika ya 00 km kotoyo ba client ba samo bimba na ndenge ya defaté tala siko ba bureau noko awa bureau malili ya nyama neti kaka oza na Canada parce que ba clim oyo ezo pousa malili client vandi awa abosani ke ayaki masolo ya ndako zwa siko ba kit ya defaté noko awa ba kit ya méchant et puis akei ya koloba kutu soki mukete akei ya solo solo ba yambio na ba bureau awa ya agence immobilière Kinoani Business osepeli confort et vanda
nulle part ailleurs. Namouni, aux autres qu'en agence immobilier Kinoani, vraiment il y a du sérieux. Ma kamba ma succession et comment ma problème est belé. Ma famille bani mais ceux qui vont contacter agence, ma conflit inutile Rosalati. Dans le département juridique il y a bien et on a de la mikanda ma kamutu Rosalalaise. Location, achat, ici c'est du sérieux. Bandiku, naïbi sibino. Vous avez un bon aïe, 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 vous avez un bon aïe. Noko, yo mutozo teka ndakouti, le londakou na yo teka makate. Yaka na offre wana awa na agence immobilière. Kinoani business, au monde en dengue kobeta madada avec un pacte na idéologie. Otuninga soki ezwami wapi, ezwami awa, na veni Kimbondo numéro 384. Référence, kaka na formule 1 osa mobimba. Deuxième bureau, awa kaka na veni boite numéro 206. Référence, Yesu Ninjibu. Na galerie, ni mangondo noko. Yo mutozo lukandaku yako futela. Ozo lukandaku yako somba. Noko, komitu ngisama na yote yaka awa. Na agence immobilière Kinoani business. Oza la satisfe. Na kelke ton selmo paske bango awa. Baje ezaso ki mukete. Eskrokeri ya ba komisionere ya CNZT. Abu o, pia. PDG Kinoani balabala business. Prenons cette page rose pour boucler complètement cette édition. Elle a fêté son anniversaire de naissance ce 7 février 2022. Elle, c'est maître Rachel Sangwambole, avocate au barreau de Kinshasa Matete, membre actif de l'AIFA RDC et membre influente de l'Union des jeunes avocats du barreau de Kinshasa Matete. Au nom du journal télévisé de Droits humains, nous lui souhaitons un heureux anniversaire. C'en est fini pour ce soir, mesdames et messieurs. Merci de l'attention que vous nous avez accordée. Si vous avez apprécié cette édition, dites merci à Nyosh Mafuta qui était derrière la caméra, Joël Diawa, Bigen Mayukuta, Aristote Moudi et Merlin Kamalondoa ont participé à sa réalisation. Je vous retrouve demain avec le même plaisir. Au revoir.